Merci Monsieur Baker, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter une partie de ma recherche. Aujourd'hui, ça va être la version Director's Cut, finalement, c'est comme ça que je l'appelle, moi. Une recherche qui porte sur les mobilités des artisans et des artisanes dans le monde grec. Cette présentation fait finalement suite à celle que j'ai effectuée au colloque de fin d'année vendredi, et il sera alors question de mettre en pratique ce que j'ai évoqué à ce moment-là. Pour ce faire, je vais prendre un exemple un peu particulier, celui du monde homérique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient, je pense, de rappeler ce que j'entends par artisan dans l'Antiquité, parce que plusieurs définitions sont possibles, ainsi que par mobilité. Dans le cadre de cette présentation, je retiendrai la définition de l'artisan qu'ont donnée Francine Blondet et Arthur Müller à l'issue d'un colloque sur l'artisanat qui a lieu en 1998. Ils définissent les artisans comme tels, tous ceux qui sont impliqués dans la fabrication de biens, quel que soit le statut des personnes dans l'Antiquité, citoyens, métèques, esclaves, artisans à son compte, propriétaires d'un atelier avec du personnel, salariés, contractants, ou la façon dont elles sont considérées aujourd'hui, artistes ou artisans, ouvriers, ouvriers spécialisés, manœuvres. En effet, durant l'Antiquité, et cela se retrouve aussi chez Homère, même s'il n'emploie pas forcément les termes servant à les qualifier, comme banaosos ou technites, le statut de l'individu n'a pas d'importance. Seule la production de biens compte. On peut alors trouver des artisans esclaves, affranchis, étrangers de passage, métèques et citoyens. Pour ce qui est des mobilités, je considérais comme tel tout voyage d'une personne qui nécessite de passer une nuit dans un lieu autre que celui de son domicile ou d'origine. Il est pertinent de parler des mobilités, puisqu'elles recouvrent plusieurs caractéristiques différentes. En effet, lorsqu'il est question d'un individu mobile, il peut s'agir aussi bien d'une personne itinérante, d'un étranger de passage, de quelqu'un qui connaît une mobilité temporaire et ou cyclique, d'un individu qui rentrerait dans son lieu d'origine après un séjour plus ou moins long à l'étranger, d'un métèque qui s'installe définitivement dans une cité. L'artisanat tient une place importante dans les poèmes homériques. En effet, les œuvres d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée proposent à la lecture plusieurs occurrences, contextes et situations dans lesquelles interviennent des artisans et des artisanes. Peut en témoigner par exemple la fabrication détaillée des armes d'Achille par Héphaïstos, artisan par excellence s'il en est. Le poète offre à ce titre une longue description du processus de la confection de l'équipement du Péléide avec, en point d'orgue, son bouclier censé caractériser le monde homérique en détail, même si, paradoxalement, l'artisanat ne figure pas dans sa représentation de l'univers. On trouve par ailleurs de nombreuses références à l'artisanat lorsqu'Homère s'en sert comme métaphore ou comme comparaison. Il est fait mention à plusieurs reprises de charpentiers constructeurs de navires, par exemple. « Hector, tu as raison de me prendre à partie, c'est de stricte justice. Ton cœur, à toi, toujours est inflexible. On croirait voir la hache qui entre dans le bois. Quant aux mains de l'artisan taillant la quille d'une nef, elle aide à l'effort de l'homme. » Ou encore, « Ils se saignent les reins, puis s'avancent tous deux au milieu de la lice et s'empoignent à bras le corps avec leurs mains vigoureuses. » On dirait les chevrons qu'un charpentier fameux assemble au haut d'une maison pour les garder de la violence du vent. Les artisanes ne sont pas en reste non plus. Il est question dans l'Iliade d'une comparaison avec des teinturières. Le sang noir aussitôt coule de la blessure. Comme on voit une femme, de Méonie ou de Carie, teindre de pourpre un ivoire qui doit devenir bossette de mort pour une cavale. Pièce en réserve au magasin que plus d'un cavalier appelle de ses vœux, mais qui est le joyau réservé pour le roi, parce qu'en même temps qu'il part un coursier, il fait l'orgueil de celui qui le mène. Ainsi, Ménélas, se teigne de sang tes nobles cuisses et tes jambes, et plus bas encore, tes belles chevilles. S'il fallait encore le prouver, on pourrait également mentionner la comparaison avec Kintisrand, dont voici un extrait. Partout le rempart et ses parapets sont inondés de sang humain, des deux côtés, Troyens comme Achéens. Mais les Troyens ont beau faire, ils ne peuvent provoquer la déroute des Achéens. Ceux-ci tiennent. On dirait quelques soigneuses ouvrières, une balance à la main qui, ayant d'un poids d'un côté, d'un autre de la laine, cherche en la soulevant à équilibrer les deux pour procurer ainsi à ses enfants un misérable salaire. Ce dernier passage est d'autant plus intéressant lorsqu'on sait que dans la vie d'Homère attribuée à un pseudo-Hérodote, le poète est dit fils d'une tisserande. Voici ce qui est dit. Créthéis était restée jusqu'alors chez Isméniès. Le temps passa, elle s'en alla et entreprit de vivre avec son jeune enfant, du travail de ses mains, en acceptant les tâches qu'on lui offrait ici et là. et elle éduquait son fils avec les moyens dont elle disposait. Il y avait à Smyrne, en ce temps-là, un certain Phémios qui enseignait à lire et à écrire aux enfants, et avec tout ce qui fait une éducation. Celui-ci, qui était célibataire, prit Créthéis à son service afin qu'elle travaillât pour lui la laine qu'il recevait des enfants en guise de salaire. Même si rien n'est sûr au sujet d'Homère, et ce n'est de toute façon pas le propos d'aujourd'hui, il est intéressant que l'un de ses biographes lui ait donné cette proximité avec le monde artisanal, ce qui pourrait expliquer la précision dans la description du travail et des conditions des artisans dans l'Iliade et l'Odyssée, encore plus avec les descriptions de cette femme qui pèse la laine et qui a du mal à subvenir aux besoins de ses enfants, avec un maigre salaire issu de son labeur. L'artisanat dans l'Iliade et l'Odyssée s'exprime principalement par les héros homériques, qui correspondent aux idées autarciques présentées par Hésiode dans Les Travaux et les Jours. En effet, selon le poète du 8e-7e siècle avant Jésus-Christ, la confection de ses outils ou la construction de sa propre maison doit se faire par ses propres moyens. À ce titre, on a par exemple Ulysse qui construit de ses mains son lit et sa chambre. Il assemble également tout seul un radeau. Du côté troyen, Paris, avec l'aide de quelques-uns de ses compatriotes, bâtit lui-même son palais. Hector gagne la demeure d'Alexandre, la belle demeure qu'il a construite lui-même, aidé des meilleurs charpentiers qu'ait connu en ce temps la Troade fertile. Ils lui ont bâti chambre, maison et cour tout près de Priam et d'Hector, en haut de l'Acropole. Du côté des femmes, on pense bien sûr à Pénélope. Mais Andromaque également est décrite à plusieurs reprises en train de tisser. Elle tisse au métier, dans le fond de la haute demeure, un manteau double de pourpre qu'elle va parsemant de dessins variés. Les personnages féminins sont finalement relégués, mis à part dans le cas des teinturières que j'évoquais plus tôt, à l'artisanat en lien avec le textile, ce qui n'a rien de surprenant étant donné que les femmes s'adonnaient à ce genre d'activité au sein de l'oikos. D'ailleurs, le travail du textile semble être uniquement l'apanage des femmes dans le monde homérique. Dans l'Iliade, Homère écrit par exemple « Et maintenant, près des neuves creuses, loin de tes parents, les vers grouillants, après les chiens repus, vont dévorer ton corps. Ton corps tout nu, alors qu'en ton palais, des vêtements sont là, légers et charmants, ouvrés de mains de femmes. » Cependant, les héros homériques et leurs épouses ne sont pas toujours en mesure de répondre aux idéaux autarciques énoncés par Hésiode. À ce titre, Homère évoque « Quels autres s'en va-t-on quérir à l'étranger ? Ceux qui peuvent remplir un service public, devins et médecins, et dresseurs de charpentes, ou chantres aimés du ciel qui charment les oreilles. Voilà ceux que l'on fait venir du bout du monde. » Ce sont bien évidemment les charpentiers qui nous intéressent dans cet extrait, même si les autres activités évoquées ne sont pas dénuées d'intérêt. Charpentier qui entre, selon Homère, dans la catégorie des démiurges, démiurgoi en grec, ceux qui œuvrent dans ou pour le peuple. Néanmoins, les charpentiers, tecton dans l'extrait, sont plus que cela dans le monde homérique. En effet, tecton, chez Homère, peut aussi bien signifier le charpentier, le constructeur de navires, qui peut aussi être bûcheron, le fabricant d'arcs, le menuisier d'art, le charron. Dans les faits, on trouve une seule occurrence de charpentier mobile dans les poèmes homériques et elle se trouve dans le passage du palais de Paris que j'ai déjà mentionné. Il est question ici de charpentiers originaires de Troade, soit la région autour de Troie. Cette région englobe également le mont Ida, qui a le droit à de multiples occurrences dans le récit de l'Iliade, puisque c'est de son sommet que Zeus observe le conflit. C'est également de là d'où provient le bois qui servait à construire la flotte de Paris, que Paris utilisa pour se rendre en Grèce. Au même titre que les constructeurs de navires sont aussi des bûcherons dans le monde homérique, comme le montre l'extrait suivant, un chêne ou un peuplier ou un pin élancé que des charpentiers de leurs cognets frais affûtés abattent dans la montagne pour le transformer en quille de navire, donc au même titre que les charpentiers de cet extrait, ceux qui aidèrent Paris à construire son palais sont probablement par la même occasion des bûcherons. De fait, il est possible qu'ils soient originaires des alentours de l'Ida ou qu'ils soient des Troyens qui se soient rendus sur place pour récolter du bois et le ramener jusqu'à Troie. Il s'agirait plutôt d'une mobilité temporaire et locale. En effet, pour reprendre la définition d'Andrea Zerbini, tout déplacement se faisant dans un rayon de 100 km est considéré comme local. Cette mobilité s'est sans doute effectuée avec leurs outils pour abattre les arbres et ils se déplacèrent avec les ressources qu'ils travaillaient. Le déplacement de l'artisan avec ses outils apparaît dans un autre passage que voici. qu'un troisième aille dire aux doreurs laercaise qu'ils viennent plaquer l'or aux cornes de la bête. On vit venir le ferronnier qui tenait dans ses mains les outils de son art, les instruments de bronze servant à battre l'or. L'orfèvre apporte ses outils avec lui pour travailler sur place, dans le cas présent, mais c'est Nestor qui fournit la matière première. Par ailleurs, Paris, ayant des liens avec le mont Ida, Priam l'ayant abandonné là-bas et son fils ayant vécu une partie de sa vie comme berger, il a pu faire appel à des personnes qu'il connaissait pour les employer. En effet, lorsqu'on parle des mobilités, il faut prendre en compte également ce qui conduit une personne, dans le cas présent un artisan, à se déplacer. Cela passe par les informations auxquelles l'artisan a accès et les relations qu'il peut établir avec certaines personnes. Ce que Claudia Moati regroupe sous l'expression « culture de mobilité », définie comme, je cite, « l'ensemble des valeurs, comportements, instruments de connaissance forgés par et pour l'expérience du mouvement ». Car la vie en mouvement suppose un savoir-faire qui lui est propre et qui permet aux migrants de saisir des opportunités, connaissance des routes, des étapes, des lieux. Fin de citation. Et j'ajouterai à ces exemples la connaissance des personnes sur place. Pour celles et ceux qui ont assisté à ma présentation de vendredi, vous ne serez pas dépaysés par ce papyrus. Je ne vais pas vous lire la traduction complète, mais juste vous resituer le contexte. Deux frères envoient une lettre à Zénon, en charge de la ville de Philadelphie, en Égypte, pour obtenir un emploi de tisserand pour eux, leur mère et leur épouse. C'est une partie de la lettre qui retient ici plus mon attention. Syntaxon de Nikiai, Dunai, Emin, Cataluma, ordonne à Nikias de nous fournir un logement. Cela présuppose que la mobilité artisanale ne se faisait pas toujours sans des intermédiaires dans le lieu où les artisans comptaient se rendre, et cela impliquait un réseau de relations, ce qui pourrait s'appliquer dans le cas de Paris, et des potentielles relations avec des bûcherons du mont Ida. Bien sûr, tout cela est abstrait et j'extrapole à partir de quelques vers de l'Iliade. Cependant, si l'on compare le cas des charpentiers troyens avec des cas attestés historiquement, on peut se permettre de pousser l'analyse aussi loin. Si l'on prend en compte le cas des sculpteurs de l'époque archaïque, certains se déplaçaient pour réaliser leurs œuvres. Néanmoins, ils avaient besoin de se rendre dans les carrières pour extraire un bloc de marbre, qu'ils travaillaient d'abord un peu sur place, avant d'achever une statue, par exemple, dans la cité du commanditaire. Ils se déplaçaient avec leurs outils et devaient aussi entretenir des relations avec les personnes qui travaillaient dans les carrières pour s'assurer d'avoir accès à des matériaux de qualité, ce qui rentre dans ce que qu'appellent Hélé Ausscheid, les réseaux de la pierre. On pourrait alors imaginer ce genre de mobilité pour les charpentiers troyens. Il y a également d'autres cas, quelques-uns, que je vais présenter les uns à la suite des autres en les commentant quelque peu, avant de faire une synthèse des éléments qu'on peut retenir et qui pourraient leur être communs. Le premier cas est celui de Tychios, dont voici le passage qu'il concerne dans l'Iliade. Ajax alors s'approche, portant son bouclier pareil à une tour, son bouclier de bronze à 7 peaux de bœuf, que lui a procuré le labeur de Tychios, l'homme habile entre tous à tailler le cuir, dont la demeure est à Ilé. Cet écu scintillant, il l'a fait de 7 peaux de taureau bien nourris, sur lesquels il a, en 8e lieu, étalé une plaque de bronze. Des deux Ajax de l'Iliade, il est question ici du roi de Salamine, dit le Grand. Ilé, d'où vient Tychios, se trouvait en Béotie. Une mauvaise lecture d'un passage de Strabon a fait dire à certains chercheurs que Tychios aurait pu être un Lydien installé en Béotie. Mais des mots du géographe lui-même, certains auteurs de l'Antiquité confondaient Idée en Lydie et Ilé en Béotie. Tout porte à croire que Tychios était alors bien béotien. Dans les faits, on ne peut pas savoir si ce fut Ajax qui se déplaça pour demander les services de Tychios ou si ce fut Tychios qui vint à Salamine. Autre cas de figure, il se peut qu'aucun des deux ne se déplaça. Enfin, il se peut que Tychios réalisa le bouclier d'Ajax alors qu'ils étaient tous les deux devant Troie, puisque le catalogue des vaisseaux mentionne des combattants provenant d'Ilé. Mais le cas de Tychios reste néanmoins intéressant, puisqu'il est question d'une incapacité d'un héros homérique à satisfaire l'idéal autarcique grec. En effet, Tychios travaille à la fois le bronze et le cuir, et est donc à la fois métallurgiste et corroyeur. La tradition a conservé plus d'éléments au sujet de Tychios. Ovide, dans ses fastes, en fait un cordonnier. Et selon Pline l'Ancien, il serait même l'inventeur de ce métier. Même s'il n'est pas qualifié d'artisan chez Homère, on se rapproche dans le cas de Tychios de l'idée d'un artisan spécialisé, en l'occurrence dans la métallurgie et le travail du cuir. Il est plus difficile d'affirmer avec certitude qu'il était mobile, rien qu'avec les poèmes homériques. En revanche, à une époque reculée, il est possible que des forgerons fussent itinérants et prêtaient leurs services à qui le désirait. En effet, si selon Hésiode il fallait tout faire par soi-même, certains travaux nécessitaient l'aide d'une personne qualifiée. De ce fait, Agamemnon, qui n'est pas capable de forger son armure lui-même, le fait faire par des forgerons. Le trait aigu n'est pas entré au bon endroit, il s'est heurté d'abord au ceinturon étincelant, puis en dessous à la ceinture, au couvre-vente ouvré par de bons forgerons. Avant de venir à Hésiode, on peut évoquer un autre cas d'artisanat spécialisé, une fois encore en lien avec le travail du métal. En effet, lorsque Homère décrit l'armure d'Agamemnon, il en donne l'origine. Il vêt ensuite sa poitrine de la cuirasse que Cinyras lui a donnée, naguère en présent d'hospitalité. Il venait d'apprendre la grande nouvelle arrivée à Chypre. Les Achéens avec leur flotte vont faire voile pour Troie. Il avait alors, pour lui plaire, offert ce présent au roi. Cette cuirasse compte 10 bandes de smalt sombre, 12 d'or et 20 d'étain. Des serpents de smalt sont là qui s'élancent à l'assaut du cou, 3 de chaque côté, tous pareils à ces arcs-en-ciel que le fils de Cronos fixe sur un nuage pour signifier aux mortels un présage. À la lecture de ce passage, on constate que la cuirasse d'Agamemnon est un vrai travail de forgeron, pour ne pas dire d'orfèvre. Le roi de Chypre est peut-être lui-même mentionné par Pline l'Ancien, puisque, selon ce dernier, Cinyras, fils d'Agriopas, a inventé les tuiles et découvert les mines de cuivre, les deux dans l'île de Chypre. Il a également inventé les tenailles, le marteau, le levier, l'enclume. En d'autres termes, les outils utiles au travail du forgeron. Le présent du roi de Chypre à Agamemnon pourrait témoigner de la spécialisation de l'île pour la métallurgie dans le monde homérique, Chypre étant réputée pour le travail du métal durant toute l'Antiquité. Pour revenir à Hésiode, le poète grec, malgré son insistance pour que tout le monde fasse et produise par soi-même, donne quelques cas d'activité qui nécessitent l'intervention d'artisans spécialisés. Il cite les potiers et les charpentiers, ainsi que des bûcherons, et d'une manière quelque peu détournée, les forgerons, puisqu'il parle du serviteur d'Athéna qui doit participer à l'assemblage d'une charrue. Mis à part les potiers qui ne sont mentionnés qu'à une reprise dans les poèmes homériques, lorsque le poète s'en sert comme métaphore dans sa description du bouclier d'Achille, les métiers en lien avec le bois et le métal semblent être les mêmes que ceux qui requièrent une spécialisation dans l'Iliade et l'Odyssée, en plus du travail du cuir dans le cas de Tychios. À titre d'exemple, Paris doit faire appel au meilleur charpentier de Troade pour construire son palais. Même si le métal a une place importante dans les récits homériques et que parfois les armures ou les boucliers viennent d'ailleurs, rien ne permet de parler de mobilité des forgerons ou des bronziers dans l'Iliade et l'Odyssée. En réalité, ces métiers-là se caractérisent plutôt par leur sédentarité dans les textes homériques. En effet, il est question d'une forge à Ithaque, de même que les vainqueurs des jeux funéraires de Patrocle reçoivent un bloc de fer. Sus donc ceux qui veulent tenter cette épreuve. Si loin que le vainqueur étende ses champs fertiles, il pourra de ce faire user 5 années pleines sans que ni berger ni laboureur doivent, faute de fer, partir pour la ville. Il leur en fournira lui-même. Par ces vers, on comprend que les forgerons pouvaient être sédentaires et ne fournissaient pas la matière première, du moins dans le monde rural. De la même manière, c'est Thémis qui vient trouver Héphaïstos dans son atelier afin qu'il forge les armes d'Achille. Néanmoins, le cas de Tychios, et dans une moindre mesure celui de Cinyras, ou de son entourage, témoigne de la volonté pour le monde homérique de s'assurer les services des meilleurs artisans possibles. A l'inverse des artisans, on trouve plusieurs cas d'artisanes mobiles dans l'Iliade et l'Odyssée. Je vais commencer par le cas qui m'apparaît comme être le plus évident, dont voici l'extrait. Elle descend dans la chambre dorante où se trouvent les voiles à 1000 broderies, œuvre des Sidoniennes qu'Alexandre pareil au dieu a ramené de Sidon en traversant la mer, au cours du même voyage dont il a ramené aussi Hélène aux nobles ancêtres. La traduction des belles lettres amène quelques confusions, mais reste assez proche du texte. Il s'agit bien des Sidoniennes qui sont ramenées par Alexandre à Troie et pas leurs œuvres. À plusieurs reprises, il est question de production des Sidoniens, avec par exemple le premier prix de la course à pied qui est un cratère en argent réalisé par des ciseurs de Sidon. À la différence du cratère d'argent qui a été transporté par des Phéniciens, ce sont les artisanes, dans le cas des voiles du palais de Paris, qui sont mobiles. Il s'agit donc d'une mobilité qui se fait sur une longue distance et qui semble bien plus que temporaire, étant donné que cela fait 10 ans que les Sidoniennes se trouvent à Troie. Nous n'avons pas plus de détails sur ces Sidoniennes, mais grâce à d'autres extraits que l'on va voir juste ensuite, il se pourrait qu'il s'agisse d'esclaves que Paris aurait achetés ou capturés à Sidon. En effet, les travaux de tissage dans l'Iliade et l'Odyssée sont soit l'apanage des maîtresses de maison, pourrait-on dire, soit de captives. On a par exemple cette comparaison dans l'Odyssée. Il est aussi près de lui que la lame est près du sein d'une captive à la belle ceinture, quand, pour passer le fil tout le long de la chaîne, elle la tire à elle fortement et l'amène jusqu'à son sein. Leur mobilité serait donc en lien avec le travail, puisque c'est pour leur capacité à tisser de belles œuvres que le prince de Troie les aurait ramenés dans sa cité. S'il s'avère qu'il s'agit bien de captives, leur mobilité serait donc involontaire. Par ailleurs, il est question d'une autre femme, originaire de Sidon, dans l'Odyssée. Son histoire est un peu complexe, puisque c'est un récit enchâssé, donc je vais la résumer ainsi. Ulysse interroge Eumée, le porcher d'Ithaque, sur la façon dont il est arrivé sur l'île. Eumée raconte qu'il est le fils du roi de Syros, une île des Cyclades, qu'ils avaient chez eux une Sidonienne qui n'est pas nommée, lorsqu'arrivèrent des gens de Phénicie. Après que la Sidonienne coucha avec l'un des marins phéniciens, elle lui révèle qu'elle est originaire de Sidon et raconte son périple. Elle s'est faite enlever par des pirates de Taphos, mentionnés plusieurs fois dans l'Odyssée. Les pirates l'ont vendue à Syros, la patrie d'Eumée. Le Phénicien propose alors de ramener la Sidonienne à Sidon, puisque ses parents sont toujours en vie. La Sidonienne accepte si tous les marins phéniciens prêtent serment de la ramener saine et sauve. Pour payer son passage, elle décide d'elle-même de kidnapper Eumée. Ils prennent la mer, mais au bout de 6 jours, Artémis tue la Sidonienne pour la punir. Les Phéniciens débarquent à Ithaque et vendent Eumée à Laerte. Ce qui est intéressant avec cette Sidonienne, c'est qu'elle est qualifiée dans la traduction des belles-lettres d'artiste en beaux ouvrages. Compte tenu des autres femmes réalisant des travaux dans les poèmes homériques, à savoir le tissage, on peut en déduire que pour Homère, la Sidonienne était tisseuse. On peut d'ailleurs s'en assurer. En effet, le texte grec donne « agla ergeidouia », soit littéralement « ayant connaissance des beaux ouvrages ». C'est une formule récurrente dans les textes homériques. On la trouve par exemple pour qualifier Athéna, déesse des artisans, comme dans les extraits suivants. Le flattant de la main et reprenant ses traits de femmes, de grandes et belles femmes, artistes en beaux ouvrages. Ou encore, elle avait pris ses traits de grandes et belles femmes, artistes en beaux ouvrages. On trouve aussi cette expression dans un passage des hymnes homériques, en l'occurrence l'hymne à Aphrodite 1, bien que datant d'entre 630 et 610 avant Jésus-Christ, et donc étant postérieur à Homère, hymne qui lie les beaux ouvrages aux travaux effectués au sein de l'oikos. Athénée aux yeux pairs ne se complaît pas aux travaux d'Aphrodite d'or. Ce sont les guerres qu'elle aime et le travail d'Arès, lutte et combat, ainsi que s'occuper de nobles travaux. La première, elle apprit aux artisans qui vivent sur la terre à faire de chars somptueux et des chariots ornés de bronze. C'est elle qui apprit aux tendres vierges dans leur demeure les nobles travaux, dont elle mit le goût en l'esprit de chacune. Enfin, je vous présente un dernier extrait. Mais les voici debout, sous le porche de la déesse aux belles boucles. Ils entendent Circé chanter à belle voix et tisser au métier une toile divine, un de ces éclatants et grands et fins ouvrages dont la grâce trahit la main d'une déesse. L'expression est ici associée au travail du tissage auquel s'adonne Circé. Tout porte donc à penser que la Sidonienne était bien une tisseuse, du fait de l'association de l'expression « agla erga » avec le travail domestique en lien avec le textile. Elle connaît d'ailleurs 2 mobilités. La première n'est pas volontaire. Elle se fait enlever et vendre par des pirates. Cette première mobilité est importante selon la distance et le temps. Elle passe plusieurs années dans sa nouvelle résidence et à plus de 1000 km de son lieu d'origine. En l'enlevant, il est probable que les pirates escomptés ont tiré un bon prix du fait de ses qualités d'artisane. En effet, comme on le verra par la suite, ces qualités étaient recherchées pour les femmes du monde homérique, qui étaient par le fait même des artisanes pour certaines. Bien qu'involontaire, la première mobilité est donc en lien avec le travail, ce qui n'est pas le cas de la seconde, qui est de son propre chef. Dans les 2 cas, ces mobilités s'effectuent en groupe. Le récit rend compte des dangers auxquels peuvent s'exposer les femmes, ici une artisane, lors de leur mobilité dans le monde homérique. En effet, elle fait prêter serment à tous les marins phéniciens qu'ils doivent la ramener saine et sauve en Phénicie. Elle craint donc sans doute d'être vendue ou qu'il lui arrive des violences lors du voyage en mer. Par ailleurs, par la mention de plusieurs artisanes tisseuses en provenance de Sidon, on peut en déduire qu'il pourrait s'agir, dans le monde homérique, d'un bassin de main-d'œuvre qualifiée. Cela apparaît davantage avec la mention de vases de ciseleurs sidoniens dont je parlais plus tôt. J'évoquais également la qualité des tisseuses qui est recherchée dans le monde homérique. Le passage mentionné des Sidoniennes que Paris amène à Troie le montre clairement, de même que l'extrait suivant. Je lui donnerai encore 7 femmes habiles aux travaux impeccables. Ce sont des lesbiennes qu'au jour où lui-même conquit la belle ville de Lesbos, j'avais choisi pour moi, parce qu'elles surpassaient en beauté tout leur sexe. Pour vous resituer le contexte, Agamemnon énumère une liste de présents qu'il consent à offrir à Achille pour se réconcilier avec lui. Bien sûr, les femmes ont une valeur marchande, si je puis dire, par leur beauté, mais aussi par leur aptitude à réaliser des amumona erga, des travaux parfaits, ou dit autrement, des travaux en lien avec le tissage. Une fois encore, ces femmes sont esclaves, leur mobilité ne serait donc pas volontaire. Dans le même ordre d'idées, les deux extraits suivants rendent compte d'une même situation dans un contexte différent. Ils prennent place lors des jeux funéraires en l'honneur de Patrocle. Voici les deux extraits. Pour les promeneurs de chars, d'abord, il offre un prix magnifique, une captive à amener qui sait les travaux impeccables et un trépied à anse. Et pour le vainqueur, un grand trépied allant au feu, les Achéens entre eux l'estiment 12 bœufs. Pour le vaincu, c'est une femme qu'il offre comme enjeu, une femme habile à 1000 travaux, et qu'on estime 4 bœufs. La première femme, sachant des travaux parfaits, Amymona erga et Iduian, à l'instar des lesbiennes qu'Agamemnon veut offrir en dédommagement à Achille, est sans doute une tisseuse, dont les qualités ne font pas de doute. Cela est davantage souligné qu'elle est le premier prix de la course de chars, l'épreuve la plus importante des jeux funéraires, illustrant d'autant plus sa valeur. La seconde est dite Epistato Pola Erga, littéralement qui savait de nombreux travaux. Sa valeur est quantifiable, puisqu'elle est précisée qu'elle vaut 4 bœufs. En revanche, elle semble une moins bonne artisane que la première, puisque la formule reprise n'est pas la même, et la captive est seulement le prix du perdant. En effet, l'expression « amumona erga » et du « yan » suggère à mon sens plutôt l'idée d'une spécialisation, en comparaison avec la seconde qui sait seulement faire de nombreux travaux, sans que l'on sache véritablement si elle les effectue correctement. Il y a donc peut-être dans le monde homérique une certaine gradation dans les compétences des artisans et des artisanes. Quoi qu'il en soit, les deux captives artisanes connaissent une mobilité forcée. Même si on ne connaît pas leur origine, sans doute les alentours de Troie ou des villes attaquées par les Achéens durant la guerre, elles sont destinées à être emmenées en Grèce et à connaître une mobilité plutôt importante en termes de distance et de durée. Une fois la mobilité effectuée, qu'est-ce qu'elle implique dans le monde homérique? Tout d'abord, l'étranger doit s'identifier. L'Odyssée nous en offre un exemple, par exemple, par Eumée. « Parle-moi sans détour, j'ai besoin de savoir. Quel est ton nom, ton peuple, et ta ville, et ta race? Quel est le vaisseau qui chez nous t'apporta? Comment les gens de mer t'ont-ils mis en Ithaque? Avait-il un pays de qui se réclamer? Car ce n'est pas à pied que tu nous viens, je pense. » L'interrogatoire auquel s'adonne Eumée fait suite au retour d'Ulysse à Ithaque, mais sous les traits d'un vieillard. Le passage en question illustre la méfiance du monde homérique, où le symbolon, l'objet de reconnaissance, n'existe pas. Les étrangers doivent décliner leur identité, mais peuvent mentir. C'est d'ailleurs ce que fait Ulysse. La méfiance est exacerbée par les airs d'errants et de mendiants du héros homérique. Pour des étrangers d'apparence plus noble, l'accueil est chaleureux. On leur donne à manger, on leur permet de se laver, et ensuite on leur demande leur nom. C'est comme cela que se passe l'arrivée de Télémaque chez Mélénas, à Sparte, dans l'Odyssée. Dans le cas d'un artisan dont la présence aurait été réclamée, il aurait également dû se présenter, mais n'aurait certainement pas eu affaire à un accueil similaire. De fait, à l'époque archaïque, les étrangers qui viennent en aide à une cité sont valorisés et obtiennent des récompenses importantes comme des salaires importants, l'exemption de taxes, l'égalité avec des magistrats locaux, etc. Un artisan dans le monde homérique devrait naturellement décliner son identité, et par la culture de la mobilité, pour reprendre à nouveau l'expression de Claudia Moati, il pourrait être reconnu du fait des échanges d'informations. Il est difficile de définir avec précision ce que devaient être les conditions d'accueil des artisanes et des artisans dans le monde homérique. Par le périple d'Ulysse, mais aussi par les travaux les jours, on connaît celle d'une personne errante. Celle-ci est contrainte de dormir à la forge qui recueille d'autres errants et mendiants. Par exemple, « Misérable étranger, n'as-tu pas les esprits quelque peu chavirés? Au lieu d'aller dormir à chambre de la forge ou dans quelque parlotte, tu viens habler ici. » La forge est dans le monde homérique ainsi que dans le monde grec archaïque un endroit ouvert où les pauvres, mais pas seulement, peuvent venir s'y réchauffer et y dormir. On a un exemple dans les travaux et les jours lorsqu'il est question de l'hiver. « Passe sans t'y asseoir près de la forge ou du parloir de la ville ensoleillée au jour d'hiver, ou si le froid éloigne l'homme des champs, un travailleur courageux n'en peut pas moins donner un sérieux accroissement à sa maison. » Les étrangers errants peuvent effectuer des travaux sur place et être payés pour leurs emplois journaliers, de même qu'ils peuvent recevoir de la nourriture et des vêtements, comme en témoigne le passage suivant. « Ne voudrais-tu pas, notre hôte, entrer à mon service? Je t'enverrai au champ, à l'autre bout de l'île. Tu serais bien payé pour ramasser la pierre et planter de grands arbres. Je fournirai avec le pain de tous les jours, le vêtement complet et la chaussure aux pieds. » On retrouve des conditions de travail similaires dans les travaux et les jours. Qu'il soit suivi d'un homme robuste de 40 ans qui aura dîné d'un pain à 4 entailles et 8 portions et qui, soucieux de sa besogne, poussera droit son sillon. Dans le cas d'artisans que l'on ferait venir du bout du monde, pour reprendre l'expression d'Homère, il y a fort à parier que les conditions d'accueil seraient meilleures encore, peut-être avec la possibilité d'accueillir l'artisan chez soi, comme cela pourrait être le cas pour des bûcherons qui construisent le palais de Paris, par exemple. Bien sûr, tout cela est hypothétique puisque nous n'avons pas d'occurrence directe de conditions d'accueil d'artisans et d'artisanes dans le monde homérique. Pour ce qui est, on n'a pas d'occurrence pour les artisans, mais pour ce qui est des artisanes, en revanche, on en dispose puisque pour les exemples que nous avons, ce sont des esclaves et des femmes et vivent à ce titre au sein de l'oikos. On a de nombreux exemples de cela. S'il fallait n'en donner qu'un, je choisirais celui-ci. Hélène l'Argienne est assise là, entourée de captives, ordonnant à ses servantes de magnifiques ouvrages. À la suite de l'énumération de ces quelques cas, peu nombreux et qui fournissent somme toute peu de détails, on peut essayer d'en tirer certaines conclusions sur les mobilités des artisans et des artisanes dans le monde homérique. Premièrement, la mobilité artisanale est recherchée. Cela apparaît avec les charpentiers que l'on va chercher au bout du monde. Il y a également la volonté de faire venir les meilleurs artisans, comme pour le palais de Paris, des artisans réputés pour un savoir-faire particulier. La mobilité artisanale se traduit alors par la recherche de l'excellence. C'est ce qui explique que les artisans ne semblent pas connaître l'errance chez Homère, au contraire des manœuvres qui effectuent des travaux journaliers, qui ne nécessitent pas de savoir-faire particulier, autrement dit de techné, qui est une caractéristique essentielle pour qualifier l'artisanat selon Francine Blondet et Arthur Müller. De fait, l'errance n'est pas valorisée dans le monde homérique, puisque ceux qui errent sont associés à des mendiants et apparaissent comme suspects, voire dangereux. La recherche de l'artisan tient aussi du fait que le monde homérique et plus largement le monde grec se caractérise par son autarcie. L'on démarche alors des artisans du bout du monde pour effectuer des tâches que l'on est incapable de réaliser. À ce titre, on peut citer à nouveau l'exemple du Béotien Tychios qui, en plus d'exceller dans son art, puisqu'il passe pour l'avoir inventé, peut faire un travail qui n'est pas à la portée d'Ajax. En aucun cas, dans le monde homérique, les artisans errent à la recherche de travail. Cette recherche de l'excellence, de la spécialisation est également le cas pour les artisanes. Mais à l'inverse des artisans qui se déplacent librement, les mobilités des femmes tiennent plus de leurs conditions de captives ou d'esclaves et dépendent dans tous les cas d'hommes. Il y a une certaine volonté de faire venir ces artisanes pour leurs compétences dans les travaux, en lien avec le tissage, sont toujours valorisés et qualifiés d'excellents. L'idée de spécialisation induit aussi celle de bassin de main-d'œuvre qualifiée. Du peu d'exemples que nous avons à notre disposition, il est difficile d'en déterminer, mis à part pour le cas de Sidon, où l'on trouve des tisseuses et des forgerons habiles, semble-t-il. Volontariat pour les artisans, de manière forcée pour les artisanes, le type de mobilité n'est également pas le même entre les hommes et les femmes. Celles des hommes sont plutôt temporaires. Ils ne sont pas en effet s'établir définitivement sur leur lieu de travail, au contraire des femmes qui, du fait de leur mobilité forcée, demeurent là où elles travaillent, donc au sein de l'oikos. La mobilité des femmes tient également du fait de leurs conditions féminines. En effet, traditionnellement restreinte au cas de l'oikos, leur mobilité nécessite de fait une condition particulière, dans le cas des exemples présentés, la captivité et la servilité. De plus, la mobilité féminine semble s'accompagner de plus de dangers, comme le montre l'extrait de la Sidonienne dans le récit d'Eumée, qui demande à ce que les Phéniciens prêtent serment lors de leur voyage. Par ailleurs, la distance ne semble pas être un frein à la mobilité, de même que la mer n'est pas un obstacle, à l'image de Paris qui ramène des tisseuses de Sidon. Néanmoins, à l'instar des travaux et des jours d'Hésiode, les poèmes homériques mettent plutôt en valeur l'autarcie des héros. Ulysse est par exemple valorisé puisqu'il est capable de tout faire. Les mentions d'emploi d'artisans étrangers et d'artisanes étrangères semblent être destinées à mettre en valeur ce qu'ils et elles fabriquent, un bouclier, une armure, des tissus, un palais. L'extranéité est alors un gage de qualité, d'excellence et donne de la valeur aux produits. Toutefois, notamment par le cas des artisanes captives, les productions sont exclusivement à destination de l'oikos et non à la vente. Tout cela dans une optique d'autarcie qui demeure dans le monde homérique la qualité première en ce qui concerne l'artisanat. Merci de votre attention.